Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission culturelle sur la chaîne africaine LCA. Titulaire d'un Master 2 en arts et communication, très tôt passionné par le 7e art, il a d'abord été devant la caméra et ensuite derrière la caméra. Il a été comédien sur des séries télévisées, sur des plateaux de tournage comme « À nous la vie » en 98, « Les jeunes branchés ». Il jouera dans plusieurs films, séries télévisées et longs métrages. Il commence assistant réalisateur dans plusieurs productions, notamment avec Abdoulaye Dao, « Quand les éléphants se battent », Danny Kouyaté, « Wagasaga », Valérie Kabouré, Guy Désiré Yamuogo, Danse sacrée à Kaya, Saro et Mangane, série de Canal+, Memory, entre autres. Il passe ensuite réalisateur. Jeune en action, Abbas et Marie-Laure, La femme patron, Le villageois, Lago le terrible, Marco Clara, Destin croisé d'une vie, pour ne citer que cela. Il devient ensuite réalisateur et scénariste dans Coco Beach, brigade très spéciale, Dieu est avec nous. Il fait aujourd'hui partie des réalisateurs qui ont le vent en poupe. Avec nous sur ce plateau, Lengani Hervé Eric Rachedi. Le cinéma, pour vous, ça a commencé quand ? Disons plutôt que le cinéma, moi, je suis un enfant de la Cité en 3 et le Néroï a été construit devant moi. Donc, du coup, c'est peut-être le cinéma qui est venu à moi et pas moi qui suis partout au cinéma. Ça, c'est peut-être mon premier contact avec le cinéma. Et ensuite, il faudrait avouer que j'étais en arts et communication, en 98, ils sont venus mettre les affiches pour un casting. Et c'était pour À nous la vie à l'époque. Et moi, j'étais en arts et communication pour faire surtout journalisme. Et journalisme télé, quoi. Moi, je me voyais présentateur télé, pas autre chose. Et j'ai un ami qui, lui, était véritablement intéressé par le cinéma. On venait à l'école avec la même moto sur la même P5 quand il a voulu en fait que je l'amène voir pour le casting. On est arrivé pour le casting. C'était à Sahelis Productions à Wemtenga à l'époque. Les gens sont venus avec plein de jeunes dans la cour. C'était plein. Moi, je suis resté dehors. Je lui ai dit, Morant, tu fais ton casting, tu sors et puis on y va. Dany est sorti, Dany Kouyaté. Sorti, il m'avait assis sur la moto, il me dit, je suis là, pourquoi? Je dis, non, j'ai amené un ami pour un casting. Il dit, mais pourquoi est-ce que je ne rentre pas? Je dis, non, ça ne m'intéresse pas véritable, ok, mais rentre quand même. Je me suis rentré, ils ont donné des essais de scénario, des brochures. Je me suis prêté au jeu et peut-être sur plus de 400 jeunes, j'ai été retenu, on a été 8 à avoir été retenu. Et c'est peut-être comme ça que je suis rentré maintenant de plein pied dans le cinéma, je dirais. Et actuellement, paradoxalement, c'est mon ami qui est journaliste et moi qui fais cinéma. D'accord. Vous êtes à la fois réalisateur, scénariste, assistant réalisateur, ça ne fait pas beaucoup. Est-ce que c'est à défaut ou est-ce que vous vous sentez bien dans ces trois métiers du cinéma ? Oui, c'est des métiers complémentaires. Scénariste et réalisateur, généralement, ça peut partir ensemble. C'est vrai que certes, il y a beaucoup de réalisateurs qui n'écrivent pas, mais il y en a aussi qui arrivent à écrire. Je m'essaie souvent aussi à l'écriture. Ça, c'est un. Et assistant réalisateur, c'est carrément un métier à part entière. Les gens pensent que assistant réalisateur, c'est l'assistant du réalisateur. Non, c'est pas l'assistant du réalisateur, c'est l'assistant de réalisation. Les gens confondent souvent ces termes-là. Et c'est un métier carrément à part entière parce que l'assistant de réalisation sur un plateau de cinéma, c'est le dieu. C'est le dieu du plateau, c'est lui qui tient le plateau. C'est grâce à lui peut-être que le plateau, il tient la route. C'est grâce à lui que le plateau, il va être dans le timing que la production aura accordé pour la finition de ce produit. Donc du coup, quand on parle d'assistant de réalisation, ce n'est pas à défaut, ce n'est pas quelqu'un qui est sous-réalisateur. Mais pour être assistant réalisateur, il faut d'abord être réalisateur. Et pour être un bon réalisateur, est-ce qu'il faut être d'abord assistant réalisateur? Pas du tout. D'accord. On n'en a pas forcément besoin parce que tout... Assistant réalisateur est réalisateur, mais tout réalisateur n'est pas assistant réalisateur. Très bien, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du cinéma burkinabé aujourd'hui ? Cette année, on a fêté le cinquantenaire du FESPACO, donc pays du cinéma africain. Aujourd'hui, quel bilan vous pouvez faire du cinéma, disons, burkinabé d'abord et ensuite africain ? Cinéma burkinabé, je pense qu'actuellement nous sommes à la croisée des chemins. Et si on rate le train qui s'enclenche là, je pense qu'on va être largué, ça c'est un. Et de deux, je ne suis pas véritablement inquiet
inquiets quant à l'avenir de ce cinéma ici au Burkina, parce que quand on voit la relève qui arrive, quand on voit nos jeunes frères aussi qui sont en train de monter, ça, moi je pense qu'on n'est pas inquiet. Et cette année par exemple, on a eu, je pense que c'est, on a eu une bonne crue au FESPACO, parce qu'on a eu 3 films qui ont été sélectionnés en compétition officielle. On a eu plein d'autres qui étaient en panorama, ce qui voudrait dire que la production, en fait, les gens produisent, les gens travaillent. Et on ne peut qu'encourager cela. Les gens commencent à s'approprier le nouveau matériel qui se pose, c'est-à-dire le numérique qui se pose à nous. On fait avec, parce qu'actuellement, c'est les normes avec lesquelles il faut évoluer. Mmh. Et vous ne pensez pas que, justement, avec l'arrivée du numérique, les jeunes se lancent assez facilement dans les cinémas et que ça ne fait pas perdre un peu de cachet à nos films? Bon, moi, je dirais que le numérique a plus ou moins contribué à envoyer le cinéma dans la rue, si je peux parler ainsi. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un outil qui est plus malléable que l'analogie. C'est beaucoup plus malléable, c'est moins lourd. Il y a moins de logistique quand il s'agit du numérique. Et actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que plein de jeunes s'essayent. Beaucoup viennent s'asseoir et s'autoproclament réalisateurs, parce que peut-être j'ai fait peut-être un clip vidéo, j'ai fait peut-être un spot télé, je me suis essayé peut-être dans un film comme ça, parce que l'outil est rentré dans la rue. L'outil est rentré dans la rue. Mais quelque part, il faut, dans ça, il faut souvent faire la part des choses. D'une part, c'est bien. Pourquoi ? Parce que le cinéma est devenu populaire. Tout le monde peut avoir accès maintenant à ce cinéma. Ça, c'est une part. L'effet pervers de cette histoire, c'est ce que vous venez de dire. Beaucoup de personnes maintenant commencent à se lancer dedans sans pour autant connaître les règles de base de ce métier. Parce que l'on le veuille ou pas, il ne suffit pas de prendre une caméra posée et commencer à filmer, dire qu'on fait du cinéma. Je suis désolé, il y a des règles en fait qu'il faut connaître et tout. Je suis d'accord que ceux qui veulent apprendre, ils apprennent et ils apprendront plus vite que si c'était à l'époque avec l'analogie. Ils apprendront plus vite parce que tout est léger. Maintenant, le monsieur, il est cadreur, réalisateur et en même temps, il va monter son truc à la maison parce qu'il est home cinéma. Il fait tout. Donc, bon, c'est vrai qu'il va vite apprendre, mais il faut qu'il connaisse. Il y a un minimum de base à apprendre et à connaître, d'où l'importance de la formation. D'accord. Et donc, par rapport à la formation, vous, donc de master en arts et communication, pour passer premier assistant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous devez donner un conseil aux jeunes ou orienter des jeunes qui veulent embraser ce métier. Oui, bon, moi, mon parcours est plus ou moins atypique, si je peux parler ainsi. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait d'école de cinéma pure. C'est vrai, en art et communication, c'est vrai qu'on touchait aussi au cinéma. On avait les trucs techniques audiovisuels. On a eu la chance d'avoir des enseignants qui nous ont appris ça. On a fait la caméra, on fait l'image et tout, etc. Mais on n'était pas pur cinéma. Et moi, j'ai dû apprendre le cinéma sur le terrain. J'ai dû apprendre direct sur le terrain et j'ai eu la chance d'être accepté dès le début quand j'ai voulu passer derrière la caméra sur l'équipe de Vis-à-Vis à l'époque. Et c'est sur l'équipe de Vis-à-Vis, franchement, que je peux dire que c'est grâce à Vis-à-Vis d'abord que j'ai commencé à forger mes armes. Ça, c'est un. Et deux, il y a aussi le fait que j'ai eu la chance de participer à plusieurs masterclass, à plusieurs formations et tout, qui ont permis plus ou moins de renforcer cet acquis que j'ai eu à avoir sur le terrain. C'est comme si la partie théorie est venue compléter déjà la pratique que j'exerçais déjà. Ouais. D'accord. Revenons au film Douga, que vous avez co-réalisé avec Abdoulaye Daoud. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les conditions de tournage ? Comment ça s'est passé ? Comment vous avez fait votre casting ? Parce que vous avez deux grands noms donc dans le film, Charles Ouattara et Abdoulaye Kombodri, ouais. Qui se veut être une comédie dramatique. Comment ça s'est passé ? Douga, d'abord, l'histoire de Douga est assez particulière parce qu'il faut avouer que Douga est inspiré d'une histoire réelle d'abord. Ça, c'est déjà ça parce que c'est une histoire qu'a vécu un des amis d'Abdoulaye Dao, qui lui a relaté et qui lui a conté cette histoire. Et ensemble, nous avons décidé d'en faire un film. On a posé les bases de ce film et on a confié à Guy Désiré Amigo pour l'écriture. Okay. C'est Guy qui a développé et tout. Quand on a eu le G, on y croyait. Quand on a lancé le fonds spécial du président, le fameux milliard du président, on était plus ou moins convaincus que ce projet, on y croyait d'abord. Tant que toi, d'abord, porteur d'un projet, tu n'y crois pas, ça ne sert à rien de le montrer à d'autres personnes. Parce que si tu n'es pas convaincu, toi, tu n'arriveras à convaincre personne. C'est une certitude mathématique. D'abord, Dao Abdoulaye et moi étant déjà convaincus que ce projet, il est porteur.
avant même de le lancer, on se disait que, qu'il soit retenu ou pas, on allait se donner les moyens pour tourner ce film. Ça c'était le préalable parce qu'on y croyait déjà à ce projet. Et quand le film, on a eu la chance d'avoir été retenu sur le truc, les films après l'appel à projet, sur le fameux milliard du truc de la présidence, on s'est attelé très vite à la préparation du film, la composition des équipes techniques et tout, et aussi au niveau des castings. Au niveau des castings, c'est vrai qu'on hésitait entre plusieurs têtes d'affiches et tout, etc. Mais on ne regrette pas d'avoir eu ce duo qui était bien, c'est-à-dire Abdoulaye Daho, qui est un homme d'expérience, et Charles Ouattara, qui a sa première apparition cinématographique. D'accord. Sinon, c'est un homme de théâtre. Exactement. C'est sa première apparition cinématographique. Et il n'y avait pas que Charles Ouattara, parce que même la dame, la veuve, à l'intérieur, c'est sa première apparition cinématographique. Mm-hmm. Et la petite, qui était à l'intérieur, la petite Rosine, qui est magnifique. Elle n'a jamais fait de cinéma. Pour elle, elle s'est réveillée à 5h du matin, allons faire film là. Mm-hmm. Oui, pour elle, c'est un jeu. Elle s'amusait. Et franchement, c'était magnifique, parce qu'on a su combiner des comédiens pétris de talent et pétris d'expérience à d'autres qui venaient des totaux novices, qui aussi était bien. Il faut avouer qu'on a réussi, plus ou moins à avoir ce mélange et ce cocktail qui peut-être pouvait être explosif, mais qui finalement a fonctionné. Pourquoi ? Parce que avant de tourner, on a eu à coacher les comédiens. D'accord. Que ce soit professionnel, qu'on a eu la chance d'être, et qu'ils aient été coachés par Ildéven Méda et Serge Henry. Grands comédiens aussi. Exactement. Deux autres grands comédiens. Exactement. Qui les ont coachés longtemps, peut-être même pendant plus d'un mois avant que le tournage ne se fasse véritablement. Et quand on conduit aux conditions de tournage elles-mêmes en tant que telles, nous avons tourné dans la boucle du Moon et nous avons tourné en pleine saison de pluie. Pour ceux qui connaissent la région. Tout à fait, on voit bien, il y a des moments où c'est très vert. Exactement. On voit que la végétation n'est pas la même. C'est une zone qui est très arrosée. Mm-hmm. Donc notre premier handicap sur ce film, c'était la pluie. Notre premier adversaire sur ce film, c'était la pluie. Mais c'était la pluie, vous avez tourné pendant la saison des pluies parce que vous n'aviez pas le choix ou parce que le film, l'histoire voulait que ça se passe pendant la saison des pluies? Non, on a tourné parce qu'on n'avait pas le choix. On a dû reculer la date du début de tournage de plus d'un mois. Okay. Parce qu'on avait des problèmes au début de décaissement. Mm-hmm. Donc c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tant qu'on n'a pas d'argent, on ne peut pas tourner. Donc du coup, on a dû reculer de plus d'un mois, ce qui fait qu'on allait tomber direct plein dans le mois d'août. D'accord. Donc on a tourné dans le mois d'août, ça c'est un des problèmes. Et le deuxième, c'est que le film a la particularité, c'est que l'histoire principale se déroule en une journée. Tout à fait. Donc on n'avait pas le choix, il faut tourner véritablement avec les raccords temps. On n'a pas le choix. Si le film, si dans le scénario c'est écrit que le film se passe le matin, je suis désolé, on a un extérieur parce que le film est à 80% extérieur. On ne peut pas tourner le soir. Non. C'est écrit ça le matin, pour truc de raccord, lumière, on est obligé de tourner dans la matinée. Et donc, du coup, on a dû jongler avec ça et on a eu 43 jours de tournage, je crois. 43. D'accord. Par rapport, justement, au fonds que vous avez reçu pour faire ce film, est-ce que vous l'aviez dit, que vous ayez le fonds ou pas, vous alliez le faire, ce film? Oui. Mais est-ce que, sans les fonds que le film a eu, vous l'auriez fait exactement à cette même période pour le faire pour le cinquantenaire? Parce que je trouve, par exemple, souvent, les productions s'accélèrent, un peu moins depuis quelques années, mais les productions s'accélèrent toujours à la veille d'un FESPACO, à la veille d'un festival. Pourquoi on ne peut pas faire des films, tout simplement faire des films, au lieu d'attendre qu'il y ait un festival pour faire des films? Bon, d'abord, il faut dire que le film, au départ, n'était pas destiné à être fait pour le cinquantenaire. Okay. Non. C'est parce qu'on a eu la chance d'avoir été retenu sur l'appel à projet que nous avons tourné. Sinon, logiquement, en septembre, le film devait être à septembre passé là. Au lieu qu'on soit en tournage, on devait être en Tunisie pour approfondir, à suite d'écriture, pour approfondir le scénario. Mm-hmm. Ce qui voulait dire que le film, il continuait son processus normal. Il rentrait dans le circuit de recherche de fonctionnement et de recherche de fonds pour être tourné. On allait le tourner. Je ne suis pas sûr que ça allait être tourné pour le cinquantenaire du FESPACO. Peut-être pour le FESPACO dans 2 ans, peut-être, ou dans 3 ans. Mais on allait le faire. Ce film, quand même, on allait le faire. Je ne sais pas quand, mais on allait le faire. Justement, si vous dites que vous alliez le faire, est-ce que il faut tourner à tout prix? Est-ce que si vous n'aviez pas attendu, comme vous disiez tout à l'heure, de vous retrouver pour continuer à retravailler, puisqu'on dit en général qu'on ne finit jamais d'écrire un film, on abandonne pour pouvoir le tourner et ainsi de suite, on ne finit jamais de monter un film, est-ce que vous n'auriez pas plus à gagner en prenant plus de temps
pour faire les films, pour faire nos films, je trouve. Oui, idéalement, oui, c'est ça. Ça, c'est idéalement. Mais comme on dit, comme ça a été souligné tout de suite, ça veut dire que si on va rentrer dans cette logique, jamais on tournera. De toute façon, on serait toujours en train de réécrire. Il faut à un certain moment qu'on dise, bon, c'est bon, maintenant on tourne cette mouture et on continue, même jusqu'à la post-production, le film continue d'être réécrit. Parce qu'il y a l'écriture papier avec lequel on va, on tourne, sur lequel on donne à tout le monde. Il y a la réécriture pendant le tournage lui-même, parce que pendant qu'on tourne, on réécrit le film. Et il y a la réécriture en post-prod. Ce qui veut dire qu'il y a toutes ces étapes. Et si on doit attendre d'être prêt, non, on n'allait pas tourner. Je pense que James Cameron a dit que la version de Titanic qui a été tournée n'était pas la version qu'il voulait tourner. Mais bon, c'est une œuvre humaine et rien, c'est une œuvre humaine et on n'est jamais totalement satisfait de ce qu'on veut. D'accord. Ouais. Nous allons regarder donc un extrait de Douga avec Charles Ouattara et Abdoulaye Koumboudri. Pierre Dumas. Pierre que? Mais il est parti au village pour se faire enterrer. Au village? Attends, on fait ça, nous la pour avoir. Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, aide-moi, on va le décharger, s'il te plaît. Sinon, ça va tomber. C'est vous qui l'avez trouvé, non? Vous avez les mêmes narines. Toi, va te faire foutre. Tiens, mi banane, vous. Gagne-le-le. Pierre! C'était mon ami, quand même. Un ami qui croyait en Dieu. Un ami qui fait chier, oui! Rasmane, ton ami fait chier! Il fait chier! Vous avez son carnet de baptême? Là, maintenant? Ah, si vous n'avez pas son carnet de baptême, je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Il avait sur lui quelques grammes d'or qu'il devait vendre ici. Hey. Il a dû être enterré avec. Il va falloir qu'on le déterre alors. Alors, quand le film est sorti, comment il a été reçu par le public? Oh, merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Le public a adoré, le public a aimé, parce que nous avons réussi plus ou moins la prouesse de faire un film et d'auteur, mais qui se veut populaire. D'accord. C'est un film d'auteur, mais quand on le regarde, il a la portée de tout le monde. N'importe quel kidam qui regarde ce film se retrouve à l'intérieur et il arrive à comprendre le message que nous avons voulu véhiculer à l'intérieur. D'accord. Et quels sont les projets de Eric Lingani aujourd'hui? Oui, un projet, c'est ce que j'ai dit pour l'instant. L'actualité, c'est la promotion déjà de ce film. Et on a d'autres projets qui sont frigo qu'on va réchauffer bientôt. Mm-hmm. Parce qu'il y en a plein. Il y a plein de projets qui sont écrits et qui n'attendent qu'à être tournés. Mm-hmm. Et ça va revenir. Parce que le cinéma, généralement, c'est un éternel recommencement. Hein. On tourne un film et ensuite on recherche l'argent encore pour tourner le prochain. On recherche l'argent pour tourner le prochain. Donc actuellement, nous sommes dans cette phase de recherche de financement pour les prochains projets. D'accord. Et si vous avez un conseil à donner à la jeune génération qui veut faire ce métier? Parce que j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont réalisateurs, alors que dans le cinéma, il n'y a pas que la réalisation. Oui, bon, c'est ce qu'on dit, c'est la génération pressée, là. Moi, je les appelle un peu génération pressée. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, souvent, ils ne veulent pas prendre le temps de bien faire les choses. Et chacun veut avoir les honneurs. Parce que quand on s'assoit, on dit réalisateur, chacun s'assoit chez réalisateur, c'est tape la poitrine, attends, c'est un honneur, et ça. Excusez-moi du terme, mais ça kiffe, quoi. Ça, c'est pour leur emprunter un peu le terme. Ça kiffe, donc tout le monde veut s'improviser réalisateur, alors que pour être réalisateur, je suis désolé, mais c'est tout un boulot. C'est tout un boulot. C'est tout un boulot. Eric Lingani est né un 11 décembre. Ça fait quoi d'être un enfant de la nation? Oui, j'ai cette chance que chaque année, le gouvernement fête mon anniversaire. Donc, je suis peut-être un enfant béni, un peu burkinabé, parce que c'est l'État qui fête mon anniversaire chaque année pour moi. Donc, je ne fais rien faire. Je suis assis, il y a un financement pour ça.
D'accord, c'est formidable. Écoutez, je vous souhaite bon vent, Eric Lingani. Et encore plein d'autres films, plein d'autres réalisations que les spectateurs auront la chance de découvrir en salle, parce que c'est bien la télévision, mais il faut aussi aller voir les films en salle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous étions en compagnie donc de Lingani Hervé Eric Rachedi, qui a co-réalisé le film Douga avec Abdoulaye Dao, que je vous invite à aller voir s'il ressort en salle. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir, bye bye.